n'y a pas l'air là, le virus. Mais il est partout. Il est partout. Puis c'est pas vrai qu'il n'est pas dangereux. C'est un maudit virus. Il est hypocrite. Hypocrite comme c'est pas possible. Le pire, là, c'est que ce virus-là, c'est un traître. Puis si vous ne regardez pas en arrière, vous ne vous surveillez pas, là, il peut vous arriver avec un couteau dans le dos. C'est un virus qui est un traître et il peut frapper par en arrière alors qu'on s'y attend pas. C'est un virus qui est traître. Ça vous paraît pas d'en face. Peut-être que vous l'avez puis vous le savez pas. Il est là, le virus. Il est là, il est vilain, il est malicieux et il est traître. Ce virus-là, c'est un petit vilain qui peut arriver déguisé sur quelqu'un que vous aimez bien puis qui va vous contaminer. Puis ce virus-là, là, il est vilain. Il va revenir. Il va revenir nous écœurer. Le petit maudit va réapparaître. Ce maudit virus. J'aime pas beaucoup dire ce mot-là, mais maudit, mais je pense qu'il mérite, qu'il est venu empoisonner nos vues. On sait jamais où ce maudit virus... Je vais arrêter de dire ça. On sait jamais où ce virus-là va venir frapper. La menace est encore là. Je vous cacherai pas que je déteste ce virus-là, personnellement. Je trouve qu'il nous a créé des tours. Le virus, il est là. Je vous le dis, là, c'est un virus malicieux. Le pire, c'est qu'on le voit même pas, le petit maudit.